Bien le bonjour, messieurs, dames. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est l'analyse de Alex, comme vous l'avez vu dans le titre. C'est enfin arrivé. C'est quelque chose qui revenait beaucoup, pardon, dans les commentaires là dernièrement. Si je pouvais pas faire une review d'une des games de Alex la légende, alors je vais tout vous expliquer. Qui est Alex? Comment se passait la review? Tout ça, tout ça. Tout arrive. Là, c'est parti. Il y aura même le contexte de cette vidéo, parce que cette vidéo a un contexte. Bon, là, c'est normal, vous voyez un écran noir, c'est parce que je suis sur, je suis sur le jeu. Tiens, je vais faire ça, ce sera un peu moins vide. Voilà. Alors là, j'ai déjà lancé le record, comment dire, le replay. Voilà, le replay de la game d'Alex. Alors, pour situer, qui est Alex? Alex, c'est la légende qui a joué plein de fois avec nous en draft. Régulièrement au rôle de support, sur son incroyable Sona qui loupait des ultis au corps à corps. C'est lui, c'est cette légende. La légende qui a fait pleurer Chape, au point que Chape ne voulait plus sortir de la base. Ne voulait plus sortir de la fontaine, pardon. C'est lui, en chair et en os, qui nous a donné tant de contenu. La personne sur laquelle j'avais hésité à faire un best-of rien que sur lui. Une compilation de ses plays sur Sona, enfin, il y a tant à dire. C'est une légende. Alors, c'est un véritable Iron winrate négatif, enfin c'était, excusez-moi, car il a step up, que je connais depuis un moment du coup. Alors, on va situer vite fait le PSG, boum. Alors actuellement, il est passé bronze 4, toujours sur un winrate négatif, mais il est passé bronze 4. Faut pas oublier qu'il y a pas si longtemps, il était un bon gros Iron, peut-être Iron 2 ou Iron 3, avec un gros winrate négatif autour de 30%. Il a bien remonté en jouant MF, du coup je lui ai demandé de nous gratifier de sa MF pour cette vidéo. Tiens, sur Discord, il m'a envoyé ce screen. Il a tenu à me l'envoyer. Boum. Donc ça, c'est son MMR en ranked solo. Donc 500, 506 de MMR ranked solo. Je vous avoue, c'est la première fois que je vois un MMR à 3 chiffres en ranked solo. Donc je suis un petit peu ému. En comparaison, quelqu'un qui est Platinum 4 aura quelque chose comme 1900 de MMR, à peu près. Donc 4 fois plus. Voilà, pour vous faire une petite comparaison. Donc voici la bête. Alors avant toute chose, je précise, c'est une personne avec qui on a joué plein de fois. Il était chaud pour ce projet. Aucune animosité, aucune moquerie. C'est un ami. Le but est un peu d'être en mode bête de foire. Venez voir l'incroyable Alex. Mais en toute bienveillance, que ce soit bien clair. En toute bienveillance et en tout consentement, je sais pas. Ouais, bref, il y a le consentement de son côté, quoi. Je sais pas vraiment comment le dire, mais vous voyez ce que je veux dire. Du coup, on part sur un. Sur quoi? Sur une review, comme j'en ai déjà fait deux là dernièrement, mais cette fois-ci, que ce soit bien clair. On n'est vraiment pas sur une review didactique comme d'habitude pour plusieurs raisons. De 1, parce que la game c'est quand même du Iron winrate négatif. Donc si je commence à pointer du doigt tout ce qui va pas et tout ce qui est à reprendre, bah la vidéo va durer 5 heures. Deuxième raison, parce que ça se passe en bot lane, ça se passe sur le rôle d'AD Carry, donc c'est pas du tout mon rôle de prédilection. Je suis pas le mieux placé pour aider une personne qui joue ça. Et 3. 3, j'en sais rien. 3 parce que voilà. Là, j'ai plus envie de voir des folies, tu vois. Là, j'ai plus envie de voir des folies et de m'émerveiller avec vous que de vraiment faire. Comment dire? Une review didactique. Alors, bien sûr, je dirai quelques trucs. Je donnerai quelques conseils. Mais ce sera pas l'idée principale de la vidéo. On va bientôt pouvoir commencer, ne vous inquiétez pas. Quelle est la dernière chose à dire? Je ne sais pas, je ne sais plus. Bon, si j'ai oublié, c'est que ça devait pas être très intéressant. Ah oui, je voulais dire qu'au final, cette vidéo, ce sera un petit peu comme. Je sais pas, il y a plein de concepts différents qui existent où tu reviews des gens particulièrement bas elo, tu vois. Mais là, c'est pas pareil. Parce qu'en général, quand il y a des vidéos comme ça, c'est genre le pire OTP, le pire machin, le pire truc. Là, c'est pas pareil. Là, c'est notre légende. Là, c'est pas un mec qu'on est allé fouiller sur un site de stats pour. Être sûr d'avoir des folies. Là, c'est quelqu'un qu'on a vu. C'est quelqu'un de notre entourage.
C'est quelqu'un qui a participé à plein de vidéos sur cette chaîne. C'est un ami. C'est pas pareil. Là, tu vois, c'est un produit du terroir, bordel. C'est un produit du terroir que je vais vous montrer là. Ok. Trêve de bavardage, ça fait déjà 5 minutes d'intro, mais il y avait beaucoup de choses à dire. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, il faut savoir que cette game, je voulais comment dire, la spectate en live, entre guillemets, parce que cette game date maintenant d'il y a quelque chose comme 45 minutes, 1 heure. Parce que je me suis rendu compte que si je voulais lancer le record, vu que je ne l'avais pas lancé dès le début, il me manquait les 2 premières minutes de game. Et ça m'a rendu fou. En tant que perfectionniste, je me suis dit non, c'est intolérable. C'est intolérable, il faut avoir ces 2 premières minutes de game. Du coup, j'ai attendu qu'il finisse sa game pour pouvoir la prendre sur mon PC, via le client. C'est tout con, t'as juste à cliquer. Et lancer le record. Alors, j'ai bien fait en sorte de ne pas vous montrer le client avant exprès. Comme ça, vous savez pas si c'est une victoire ou une défaite. En fait, je suis un menteur. Juste en regardant la barre en dessous, tu peux savoir si c'est une victoire ou une défaite. Taisez-vous, s'il vous plaît. Vous savez pas. Le suspense est total. Alors, bon, on va commencer. Alors, Alex est donc équipe rouge. Il joue Miss Fortune comme je lui avais demandé. Le perso avec lequel il a réussi à passer de Iron 30% de victoire à Bronze 4 40% de victoire. Donc un gros step-up. Un gros step-up. Sans rire, un gros step-up. Alors on va check vite fait. Il y a le Olaf Jungle Conqueror, Lux Support Comet, Akali Electro, Caitlyn Lethal, Gnarconk. Ok, j'allais dire, il n'y a rien de bizarre jusqu'à voir ce Gnarconk. Gnarconqueror, c'est suspect, c'est très suspect. Alors Tryndamere Jungle, ouais, ça c'est sacrément suspect. Avec Electrocute qui plus est. Donc Tryndamere Jungle Electrocute, ça c'est suspect. Moisson Noir Miss Fortune, non, c'est basique. Comet Morgana, pareil. Electrocute Annie. Conqueror Darius, au niveau des sorts d'invocateur, il n'y a rien de particulièrement folklorique. Si le Tryndamere qui n'a pas de flash, bon. C'est un Tryndamere Jungle, donc vu que le perso a besoin du flash et du ghost, tu te retrouves un petit peu bloqué. Mais quitte à choisir. Oh, en vrai, quitte à choisir, les deux peuvent être ok. Non, ça va, c'est pas si choquant. Ce qui est choquant, c'est l'électro. Ok, boum! J'ai dit boum. Ok, j'ai eu peur. Oh, j'ai cru qu'il allait rien se passer. Alors, nous y voilà. Nous y voilà, nous y voilà. Je regarde au niveau des starters. Oh, il n'y a rien qui me choque jusqu'à présent. Le Darius qui se permet de start avec une larme contre Gnar, c'est couillu. C'est couillu, mais ça peut payer s'il arrive à le cheese en early. Annie est AFK ou Annie a pas d'item? Annie a pas d'item! Est-ce un bug? Est-ce un bug ou quelque chose? Non, Annie n'a pas d'item. Ok, il y a une invade. Oh mon dieu, il faut déjà faire un jump back. Ok, il y a une invade là. Ok, ils sont trop en position. Est-ce qu'ils attendent le Olaf? Non, ils attendent pas le Olaf. Oh, du coup, c'est la Lux qui les check parce qu'il invade tout seul. Ok. Le flash out. Alex qui répond. La cage qui touche. Attends, elle s'est mis bien niveau gold la Morgana. Ah, elle a déjà généré 60 gold avec son item support là, c'est super fort. Donc ça va start ici. Ils se font invade le bleu. Donc Annie n'a pas d'item. Jusqu'à preuve du contraire, Annie n'a pas d'item. Annie a oublié ses items. Attendez, vous savez quoi? Bordel, il y a trop de choses. Oh, cette vidéo va durer 2 heures, les gars. Cette vidéo va durer 2 heures, je vous le dis. Parce que, attends. Je suis en train de regarder une game qui dure combien de temps là? 49 minutes 34. La partie dure 49 minutes 34, bordel. Ah, la vidéo va faire 2 heures. La vidéo va faire 2 heures. Je vais vite voir un truc. Vous avez un écran noir, c'est normal. En gros, je vais être sûr que ce soit pas un bug de record. Du coup, je vais sur OPGG, Alex. Je regarde sa dernière game, boum. Alors ça charge, faut que j'actualise le profil, ça prend un peu de temps. Allez au PG s'il te plaît, les écrans noirs c'est gênant. Je suis gêné là actuellement. Alors Annie. Clique sur le profil de Annie, boum, je suis dans la catégorie build. Et qu'est-ce que ça dit? Est-ce que c'est un bug d'affichage ou pas?
Bordel, pourquoi ça prend autant de temps à charger? C'est pas un bug d'affichage. Ok, on peut reprendre le record. C'est pas un bug d'affichage, les gars. Elle a réellement commencé avec aucun item. Là, il y a Morgana qui décide de face check. Boum, elle meurt. L'ignite qui tombe, c'est un peu overkill. Elle a encore ses deux sorts d'invocateurs. C'est l'ignite de qui? De la... Ah ouais, c'est la Akali. Elle est toujours pas en train de bouger sur sa lane. Mais c'est une malade, faut qu'elle aille sur sa lane. Ok, elle y va. Attends, mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que... C'est quoi ça? Attends, les midlaners ils poulent en bronze? Je viens d'apprendre un truc. Les midlaners poulent en bronze. La Akali voulait rester avec son Olaf et la Annie est allée au raid. Ok. Ok, on regarde Alex, on regarde Alex. Qu'est-ce qui se passe du côté d'Alex? Un affrontement, le flash est forcé. Ok, le heal. Ok, il est forcé hors de la lane niveau 1 et en plus il aura pas de potion. Assez tragique. Faut avoir des yeux partout. Faut avoir des yeux partout parce que je sens que il va s'en passer des actions. Ok, le clear, il a fait tac tac. Bon, si le Olaf clear normalement, le Tryndamere va se retrouver tellement derrière parce que entre la vitesse de clear de Olaf et le Tryndamere, il y a un univers. De toute façon, Tryndamere ça pue en jungle, les ganks sont faibles, le clear est mauvais. Enfin, le clear est bon quand il a genre deux items quoi. Et le perso ne pop pas vraiment avec deux items. Oh putain, Alex, il est revenu. Il est revenu et c'est déjà la merde. Ou alors il a cancel son back. Je crois qu'il a cancel son back. Est-ce qu'il n'est pas revenu avec des potions? On va regarder un petit peu partout. On va pas forcément regarder que Alex. Majoritairement Alex, bien sûr, mais on reviendra quand il y aura des actions. Je pense que ça vaut le coup de regarder la game dans sa globalité. Genre là, par exemple, Tryndamere, il a pété le ghost. Il a pété le ghost pour une Akali qui a encore sa flaque. Et ça ne mènera absolument rien, quelle surprise! Oh là là, la Morgana qui se fait vilainement peau, qui se font totalement chasser de la lane. Caitlyn Lux, c'est très fort. C'est très fort, surtout si ça commence à dominer comme ça avec le push. Mon Tryndamere qui a perdu le temps d'un gank et qui a perdu son ghost pour absolument aucune raison. Je vois pas ce qu'il espérait faire sur cette Akali qui avait encore tout. Et je vois pas pourquoi il est parti là. Pourquoi est-ce que la Akali déciderait de sortir de sa flaque qui est ici? C'était évident qu'elle allait chercher à revenir sur sa tour, ça n'a aucun sens. Un Darius vient de solo killer Gnar. Comment ça s'est passé? C'est impossible ça. Ok, je crois que je comprends comment ça s'est passé. Oh, je crois que je comprends comment ça s'est passé. Ok, c'est bon. Tac, tac. Boum. Ok, c'est bon, j'ai compris. Alex continue de se faire maltraiter au niveau du CSing. Qu'est-ce que ça donne? Franchement, il se fait pas si out farm que ça. Je m'attendais à bien pire vu la gueule de la phase de lane là depuis le début. Point creep. Oh là, Kali a un bon farm. Enfin, je sais même pas si elle a un bon farm en réalité. Mais elle a de loin le plus de farm de la game sur le solo laner. Ok, Alex qui est dans une situation vraiment compliquée. Le poke de la Lux. Le poke de la Lux te met mal. Oh, il a failli mourir! Il était à deux doigts de mourir du... Ah, je sais plus comment elle s'appelle cette compétence. Piltover Peacemaker. À deux doigts de mourir du Peacemaker. Ah, peut-être pas, vu qu'il était niveau 1. Alors, il a back pourquoi? Une longue sword et pas de potion, il s'en bat les couilles. Pas d'histoire de potion rechargeable contre une lane qui a autant de poke. Il porte ses couilles. Il n'a pas peur. Gnar, il a acheté quoi? Étoffe potion chargeable. Darius, qu'est-ce que tu vas nous prendre? Brillance, oh, ça fait pas rêver. Pas de potion brillance. Oh, ça fait pas... Oh, ça fait pas rêver. J'en ai connu des bacs de Darius qui faisaient pas peur, mais... Le bac brillance, il fait pas très peur. Hein. On a connu pire sur un Darius. Enfin, on l'a connu mieux, surtout. Ok. Au niveau du farming, oui, comme prévu. Olaf met le double de farm à Trinda. Et ça va pas aller en s'arrangeant. Je continue de check. Qu'est-ce que ça donne en mid lane? Cette Annie, elle a toujours pas récolte. Ouais, toujours là, au calme. Sans potion, sans item. Oh, elle aurait pu pressure là-dessus. Oh, elle est folle à réactiver comme ça devant elle. Elle aurait pu se prendre une rotate. Elle mourrait pas, mais elle se faisait sortir hors de la lane. Ok. Il y a eu un gang top. On pouvait le re-regarder. Ok, je vois, il va se transformer, boum boum, du coup le Darius se fait bait, il prend le bon stun. Ouah non, le misclick! En vrai de vrai, si le Darius allait vers le Gnar, une dernière auto, il le finissait, avec le triomphe,
Et vu qu'il était sous passif, il y a moyen qu'il lâche un double kill. Il y a vraiment moyen qu'il lâche un double kill. Ah, est-ce qu'il me reste un peu d'eau? Ok, il me reste un peu d'eau, il me reste un peu de carburant pour commenter ces 45 minutes de game qui nous reste. Ok, ok, phase offensive. Malheureusement, il y a répartition des focus. Oh, l'exhaust! Oh, l'exhaust de dissuasion! L'exhaust de dissuasion, bordel! Est-ce que ça ira plus loin? Non, ça touche pas. Ok. Il y a eu un gank midlane, mais est-ce qu'on a vraiment envie de le replay? Est-ce que ça a vraiment son intérêt? Non. On voit qu'Akali a plus son invocateur et plus d'ultime. C'est une Annie sans item qui n'a pas d'escape, vu que c'est Annie. Ou la flûte tombe dessus, il a dû toucher une hache. Je sais pas exactement comment c'est passé, mais... c'est assez facile de voir ce qui s'est passé. Alors là, est-ce que Alex vient de se faire cage? En grande difficulté sur cette lane là, Alex. Ouais, voilà, c'est ce que je me disais. Il s'est pris une cage de luxe. Ça a enchaîné. Alors je sais pas pourquoi il a pas couru en ligne droite. Bon, je pense que ça changeait pas grand chose, mais les mouvements étaient particuliers. Ok, top, top. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Oh, maintenant que Gnar a son ulti pour disengage, je pense pas. Je pense qu'il se passera plus rien sous cette top lane, sauf quand il y a des ganks. Bon, on est sur une massive jungle diff. On est sur vraiment une massive jungle diff, là, de la part du Olaf. Oh, mon dieu. Oh, Tryndamere, first item, une pioche. Oh, déjà que Tryndamere, ça clear mal. Si en plus, tu n'achètes pas d'attaque speed, tu vas vraiment pas clear, bordel. Ok. Oh, il a cancel le dash. Oh, il a cancel le dash. Ça va mener à un kill. Ça va mener à un kill, j'ai rien dit. Il va encore se passer des choses sur cette top lane. Parce que Gnar pue, il pue vraiment très fort, et Valentin, OMG c'est Valentin? Oh, c'est forcément un français. Valentin, si tu regardes cette vidéo, gros big up à toi. Gros big up à toi de démolir ce Gnar avec Darius. Ok, il s'est passé des dingueries en midlane là, je veux revoir ça. Oh! Wow! Ok, il y a encore eu un gank, la Annie a failli réussir à turn, Tryndamere qui arrive... et qui n'arrive pas à finir et qui meurt misérablement. Déjà qu'il a deux niveaux de retard, la jungle diff continue de se creuser. Et Annie qui a acheté une baguette trop grosse. C'est pour ça qu'elle n'a pas acheté d'item niveau 1. Elle voulait tout simplement être capable d'acheter une baguette trop grosse sur son premier bac. Ça faisait partie de sa stratégie. Elle farm, elle obtient le niveau 6. Elle back pour la baguette trop grosse, comme ça elle a le plus d'AP possible. Elle revient, flash, ignite ulti, boum. Et elle donne tout pour le solo kill. Attends, encore une fois? Mais qu'est-ce qui se passe sur cette top lane? Attends, je veux voir l'engagement. Donc là, le Gnar, il va TP, j'imagine. Voilà, il TP sur la wave. Putain, mais c'est un malade! Oh, mauvaise, très mauvaise utilisation des sorts. Bon, je vais pas... Oh, et, putain, mais ça passe quand même! Bon, je vais pas relever tout ce qui a cloché sur le trade du Darius parce que... Eh, hey, c'est une game de 50 minutes en bronze 4. Si je fais ça dès qu'il y a une action qui cloche, j'ai pas fini. Mais bon, je pense que si vous connaissez un peu le jeu, vous comprenez un peu le jeu, vous avez compris. Au moins, vous avez compris au moins la moitié de ce qui a cloché. Et putain de merde, ça a cloché comme pas possible. Parce que là, le Gnar... il aurait dû mourir à 100% mais avoir aucune chance de s'en sortir. Et Darius lui a donné bien 2-3 chances de s'en sortir. Mais bon, c'est pas grave. Il obtient le kill, Darius qui fait une trinité en first item. Bon, pourquoi pas en vrai, pourquoi pas dans une telle optique de snowball, pourquoi pas. Le dragon qui est secure de la part du Olaf. Alex qui est toujours sur son unique mort. Le farming qui even, bordel de merde. Comment cette Caitlyn arrive à être even au farm? Attends, à la flash-in pour ne même pas mettre un trap? Oh, la flash-in en mode tourelle, elle en a rien à foutre! Oh, la flash-in! Elle a tapé! Elle a juste tapé! Je m'attendais à un flash-in trap ou un truc. Non. Flash-in et elle tape. Et ça a marché. Alex est donc sur sa deuxième game. Deuxième mort, pardon. On est sur une game très très compliquée. Olaf qui fait encore un kill. Oh non, mais pourquoi t'as essayé de finir le T-Burst? Fallait juste tirer. Ok, on devine assez facilement ce qui s'est passé. Il y a donc le turn. En vrai, le Olaf joue bien, no troll. Bon, ça c'était pas beau. Mais je veux dire,
dans sa réaction à Lolin, le fait qu'il n'hésite pas, la rotation des haches, etc. C'était propre. Par contre, il aurait juste balancé une hache sur le tibia et se barrer. La finition n'était pas belle. Mais merci à lui, il permet à la game de comment dire, de se rééquilibrer parce que là c'était un peu un stomp. Akali qui prend un beau paquet là-dessus. Est-ce qu'il va acheter la Triforce? Est-ce que c'est pour ça qu'il back? Pourquoi est-ce que tu back, Darius? Dis-nous tout. On te voit attendre. C'est pas juste pour la vie que t'as back quand même. Putain, mais il achète même pas une paire de bottes, Valentin! Il a back. Voilà, il a back. Pas de potion. Bon, j'allais dire pas de pink, mais je suis vraiment mal placé pour dire ça. Pas de bot, il avait pas assez pour la Triforce et il a back. Il s'est dit, il faut back. Là, Alex est passé niveau 6. Et Miss Fortune, tout comme tout champion qui a un ult dévastateur, ça fait le travail en bas elo. Déjà le deuxième Q qu'elle se mange, cette Caitlyn. Mais ouais, là, Alex est passé niveau 6. Voilà, exactement! 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 Mais qu'est-ce que je vous ai... Pourquoi il? Mais exactement, bordel, c'est ce que je vous avais dit! Les persos comme ça, en bas elo, mais va taper. Mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai envie de le ping pour l'interrogation. Qu'est-ce que tu fais, Alex? Tape la tour! Mais ouais, les persos qui ont des ults de fou en bas elo, les Wukong, Gamumu, Malphite, Miss Fortune, tous ces trucs-là, c'est toujours la folie en bas elo. Bro, là, elle a juste ulti, boum! Ils ont pas bougé, ils sont restés dedans, ils se sont fait dézinguer. Est-ce que ce Darius va réussir le 1v2? Non, 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 le Olaf est beaucoup trop fini d'un Gordrinker, il peut pas. Par contre, je pense qu'il meurt pas. Mais ult, ult! Attends, 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 il peut? Non! Oh! Non! Il touchait le Q sur Olaf, il tuait les deux. Et il pouvait clairement toucher le Q sur Olaf. Ah, c'est dommage. Ça joue vraiment à pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre qui s'est passé? Annie qui a fini par buter la Kali. Bon, pas besoin de replay l'action. Elle s'est pris un combo Tibur, si elle est morte, c'est tout. Tryndamere a pas d'assist, du coup, elle a rien sur l'action. D'ailleurs, qu'est-ce que ce foutu Tryndamere est en train d'acheter? Oh, le dash en ligne droite contre un Olaf. Olaf, il tue la Annie, mais tous les jours. Ah non, il a pas l'ult. Il a pas l'ult, il a pas le ghost. Ah si, il a l'ult. Si, si, il a l'ult. De ce que je vois, il a l'ult. Il a l'ult. En vrai, à sa place, j'aurais continué. Smite bleu sur sa gueule, boum. Même en dive, ça passe. Oh, Alex qui prend un très très vilain trade. Attends, il a sa Yumu. Il avait juste la dague d'Antlet tout à l'heure. Ok, il s'est payé une petite Yumu là, avec le double kill. Surtout qu'il devait avoir une shutdown là. Enfin, il devait y avoir un shutdown sur la Caitlyn. Du coup, il a dû se faire un petit paquet. Là, le Darius, il a Triforce ses bottes. C'est ton moment, champion. Montre-lui. Chope-le. Oui. Tant pis. Tant pis. Je pleure un petit peu, que voulez-vous? Tiens, d'ailleurs, je voudrais faire un petit point pseudo là. Parce que les Bailos, ils aiment trop quand il n'y a pas de majuscule, ils aiment trop les chiffres aussi. On a Valentin 4, 5, 6, 1. Painless 12. Ramoka 24. Surfing Dog 23. Bon, il n'y a que 4 pseudos comme ça dans la game. D'habitude, il y en a plus. Et en plus, ils ont tous des majuscules. Donc, je vous avoue que je suis un petit peu déçu. On va retourner voir Alex. Qu'est-ce qu'il nous fait, Alex là? Oh là, Alex, est-ce que tu nous lâcherais pas ta meilleure ultime? Tu les mets sous tour, tu leur lâches un petit tulle, boum. Ils vont pas bouger, tu les tues, GG. Ok, ça tente des Arras au Q. Oh, j'étais persuadé qu'il allait se prendre ça. Ah, c'est encore une massive jungle diff. OMG! J'ai rien dit! Lani a pop-off! Donc, on est sur une engage de Trinda. Bon, pas besoin de revoir le début de l'action, on voit que c'était de la merde. La Annie va crever de l'Ignite. Et là, on a vu la fin de l'action. Le Olaf qui croyait la finir avec sa hache. Boum, le stun sous tour. Finito. Cette Annie qui pop off. Et qu'est-ce qu'elle va nous faire en premier item là avec ces deux baguettes trop grosses? Attends, on est sur Rabadon?
Rabadon premier item? Rabadon premier item, bordel, comme à l'époque de nos grands frères. Ça, c'est vraiment comme à l'époque de nos grands frères. Saison 1, 3 anneaux de Doran, Rabadon, boum. J'ai connu cette époque en tant que dinosaure de la faille. Pop, 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 pop. Donc là, ils se sont fait un V2 en bot lane. Allez, on va replay vite fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Faudra avoir le kill au top aussi. Bon, il y a eu une vilaine phase de poke. Elle a toujours son ult. Ils ont rien réussi à en tirer. Ok, comment Alex est mort? Ok, ça joue. Oh! Oh mon dieu! Je crois qu'Alex a tendance à surestimer sa range. MF, ça a pas beaucoup de range quand même. Et petit retour en arrière une dernière fois aussi, j'ai envie de voir ce qui s'est passé top. Bon, je vais me retrouver avec une vidéo d'une heure et demie, mais c'est pas grave. Boum! Oh là là, il aime pas les Qs. Il aime pas les Qs, Darius. Putain, mais heureusement que Darius a un passif de con. En vrai, le Darius, à chaque fois, mais vraiment à chaque fois, il devrait pas tuer les gens. Il merde tellement. Et au final, il y a son passif qui finit à chaque fois. C'est pour ça que Darius est toujours pick ou ban à Baello. Bon, après, c'est pas un pick qui est propre au Baello. Hein. Attention, Darius est très fort même à Baello. Attention, attention. Mais c'est vrai que ce passif là, bah. Ça fait que même un mec qui se fail, il y a très forte chance que s'il a mis ses 5 stacks. Enfin, il tire un kill de ça. Cette Annie ira dans premier item, j'ai confiance en elle, je sens qu'elle va faire de grandes choses. Ça lui fait combien d'AP? 200 d'AP en face de lane. Oh, c'est même pas dingue, hein. Elle qui a rush en Aether Harvester avec un Doran, elle a que 60 d'AP de moins, entre guillemets. Et puis bon, elle a des propriétés, elle a un item beaucoup plus complet, elle a de la vie, elle a de la CDR, elle a une propriété passive qui fait des dégâts et qui lui donne de l'AMS. C'est tellement. Enfin bon. Je suis en train de vous expliquer pourquoi faire un Rabadon premier item c'est de la merde. Mais je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi faire un Rabadon premier item c'est de la merde. Je pense que ça va de soi. Ok, il y a un gank top à nouveau. Mais là, faut faire attention. Ce Darius, il est vraiment. Vraiment à prendre au sérieux. Oh, le heal! Le heal est passé! Oh, dommage. Ah, mais Valentin avait pas l'ult. Avec l'ulti, il pouvait tuer le Olaf bien plus tôt et du coup il ne mourrait pas. Bon, ça reste un trade kill, c'est ok. Qui d'autre est mort? La Lux est morte. Lux est morte, ça s'est donc passé en botlane. Play d'Alex, il faut regarder. Ok, ça part d'un gank de Tryndamere. Tryndamere qui pète le ghost. En plein milieu de la rivière, il n'a aucune peine. Il se fait cage, mais il a le temps de. Il a tué la Lux. À l'électrocute avec son poulet. Je savais même pas que le poulet pouvait faire proc l'électrocute. En même temps, tu joueras jamais électrocute Trinda. Mais oui, c'était les Lee Sin Jungle à l'époque. Il pouvait te faire proc l'électrocute avec le slow. Ouais, donc ça fait sens. Ça fait sens. Putain, l'électrocute du Trinda est en train de prendre sens, les gars. Par contre, Trinda, de grâce, achète des bottes du Berserk. Ton perso n'est pas viable sans bottes T2. Et ton clear serait 10 fois supérieur avec des berserk en rush. Qui sait? Ok les gars, j'aimerais qu'on prenne le temps de regarder ça à nouveau. Donc là il fait le tour. Il va prendre la plante. Et boum! Il retourne exactement à la même position. Perte sèche de bien 3-4 secondes. C'est gratuit, c'est cadeau. Merci à lui. Pendant ce temps-là, Alex la légende. Attends, mais Alex la légende qui a explosé cette tour! Trois auto-attaques et il la prend cette tour! Il a dû avoir un paquet de plaques du coup! Il s'en met plein les poches, Alex là! Est-ce qu'il va acheter des bottes? Est-ce qu'il va acheter des bottes ou il va faire comme Chape et pas acheter de bottes? Je sais pas si Chape fait encore ça, mais à l'époque il le faisait, je pense qu'il le fait encore. Ok, Trinda fait une tentative de gank sur le Gnar, mais. Ah mais Gnar c'est pas un bon perso pour Tryndamere. Et puis bon là il a deux items HP, Tabi, deux étoffes. Bon pff. Ce Gnar est d'un malaise. Déjà jouer Gnar top. Et en plus de ça pour partir sur des trucs comme Tabi Bramble, allez c'est bon. Après c'est comme ça que ça se joue mais putain qu'est-ce que c'est malaisant. Un range top qui rush full tank bordel.
Difficile de faire plus malaisant que Gnar. Ah, malheureusement, c'est la botlane adverse qui a eu la première tourelle. À quelques secondes près, c'est Valentin qui l'avait. Putain, ça me termine de dire Valentin, j'ai l'impression de castor au balas. Oh, il faut bloquer ça. A chaque fois, j'ai peur que la MF le bloque pas. Mais ça va là, ça tuait pas. Et qu'est-ce que... Ah, elle va faire un shield bow ? Attends, non, je comprends pas bien pourquoi il y a une BF. Et pourquoi il y a une pioche ? Bon, écoutez, j'ai pas la moindre foutue idée de ce que cette Kel'Thine est en train d'itémiser. Peut-être qu'elle a juste glissé un sceptre dans son inventaire et... Ouais, mais non, il y aurait pas de BF si elle rushait un mythique. Il y a pas de BF dans les mythiques à Dekari. Écoutez, je sais, j'ai pas la moindre idée de ce qu'elle fait. Ok, est-ce qu'un teamfight va éclater au niveau du Nashor ? Oui, il y a Olaf tout seul dans la mêlée qui régène énormément avec son Birdrinker. Mais il va se faire burst ! Burst par Valentin ! Il n'a eu aucun follow-up sur cette action ! Sa team l'a laissé pour mort ! Mais ils ont le contrôle des dragons. Déjà deux dragons pour cette équipe bleue. Et Darius qui a du décal. Pour quand même perdre le dragon. Bon, ils ont fait le kill sur Olaf. Mais du coup, il va perdre la tourelle. Et pas mal de creeps vont s'écraser sous tour. Bon, pas tant que ça en réalité, parce que Gnar tape la tour, du coup ça va. Mais quand même. Alors Alex, qu'est-ce que tu as acheté de beau? Une dague dentelée. 12 autres épées longues. Pas de botte à l'horizon. Donc il fait comme Chap. Alex est certainement un disciple de Chap. Il a regardé les midi Chapi, il s'est dit Miss Fortune létalité c'est la clé. Et en soi il n'y a pas tort, surtout à Baello. Il la spam et il a fait Iron to Bronze. En une vingtaine de games je dirais. Peut-être un peu plus. Allez, prends là cette tour. Oh oui, ça c'est des vilaines auto-attaques. Ça c'est des très vilaines auto-attaques. Et Kel'Thine, je me demande sur quoi elle part. Darius qui part sur une plaque du mort, deuxième item. Très très bien. Surtout contre leur équipe. Bon, et Darius ont plus tendance à faire Sterak en deuxième item, peu importe la situation, mais... Moi, vous savez, je suis un très, mais vraiment un très très grand fan de la plaque du mort. Ok. Action midlane qui s'est bien passée. Elle ne va pas mourir. Elle ne va pas mourir. Je pensais qu'elle allait se prendre la hache et du coup elle était morte, mais non. Darius qui tente. Darius qui tente pour... Contourne, mon grand. C'est eux qui ont peur de toi, pas l'inverse. Vas-y, croise-le sous la flamme. Non, il n'a pas fait le reset. Il a casté son Z directement. Mais c'est pas grave, il lui pète la gueule. Boum, boum. Ah, il a hésité à prendre la plante, le Olaf. Boum. Alors, claquer le Ghost aurait été bien mieux que claquer le Flash, bien sûr. Mais bon, c'est pas grave. Valentin bute ce Olaf. Et Valentin fait que buter ce Olaf. Ce Olaf qui va lui payer sa plaque du mort. Et Trindamere a enfin complété son mythique. Félicitations à lui d'acheter un Kraken. C'est pas mauvais. Il y a Olaf et Gnar. Et en vrai, dans les phases de fight, il va beaucoup se retrouver à DPS lui Olaf, donc c'est pas mauvais. Et là, les Berserk. Il a les Berserk aussi. Ok, le Trinda va peut-être devenir relevant. Quel niveau est-il? Il est niveau 11. Qu'est-ce qu'il fout? Ça fait 30 ans qu'il est à la base. Il a plus qu'un niveau de retard sur le Olaf. Mais il a rien acheté en plus. Il a perdu tellement de temps. Ok, en deuxième item, il a fait le nouvel item à la mode. Axiom Arc. Alors, je sais pas si c'est bien sur Miss Fortune. Mais bon, AD, létalité, CDR, ça me paraît pas mauvais. Oh, Alex qui a presque tué cette Akali. Darius qui se fait gauche, je vois pas comment. Ouais, non, il est finito. Il est finito et en plus, c'est... Oh mon dieu! Pause! Mais justement, quand on parle du loup, c'est Kel'Thine qui vient de prendre le kill. Et qu'est-ce qu'a fait Kel'Thine? Kel'Thine a fait une lame d'infini en premier item. En premier item, bordel. En premier item. Faut 60% de chance de crit pour tirer profit du passif. Elle en a 20%. Ça fait combien de temps qu'il y a eu changement sur la lame d'infini? Ça fait plus d'un an. Je veux bien que tu lises pas les patchs. Je veux bien qu'à ce niveau de du jeu, soit les mecs qui jouent comme ça de temps en temps et qui lisent pas les patchs. Mais là, on est sur un an quand même. On est sur un an si ce n'est plus que la lame d'infini est comme ça. Aïe, 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 aïe. Bah, elle a acheté 70 d'AD et 20% de crit. Pour 3400 gold. Elle a littéralement rien d'autre vu qu'il n'y a pas le passif. Ok, Akali. Trindamere qui a le temps de se trade kill et qui n'a pas utilisé l'ulti d'ailleurs, c'est dommage.
C'est bien dommage et c'est l'un des Trindade les plus fébriles que je viens de voir. Là, sur cette phase de dépêche, je m'en suis bien rendu compte. Trindamer, sans sa létale tempo, c'est vraiment pas Trindamer, hein. Ça fait vraiment pas peur, Trindamer sans létale tempo. Le perso est obligé de jouer avec cette Keystone, sinon ce n'est pas un champion. Ok, Akali qui engage. Akali qui engage. Annie qui engage. Mais Annie qui a été timide là. Annie, elle lâchait le T-Burst et l'ulti dans le Gnar. Je vous assure qu'il crevait, hein. En plus, derrière, elle avait certainement le temps de lui remettre un Q si jamais il se transformait pour le finir. Et sur quoi? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Y a pas de mythique à des caries avec les BF, qu'est-ce qu'elle achète maintenant? Une soif de sang? Qu'est-ce qu'elle branle cette Caitlyn? Comment elle peut se retrouver en 6-1 avec un tel stuff? Alex, il est quoi là en 3-5-2? Et il met 36 à son adversaire, malgré une phase de lane très compliquée. Il est quasiment top farm de la game. Les trois top farms, c'est Darius, Miss Fortune et Akali à 22 minutes. Bon, on est loin des 10 CS minutes. On en est un petit peu loin, je vous l'avoue. Mais au moins, il est dans les top farms de la game. Et ça, c'est bien. Ça, c'est très très bien. Ok! Est-ce que ça part de là? Oui! Oui, le stun! Ok, malheureusement, le Darius a waste son grab. C'est son cooldown le plus important. Et ça ira nulle part. Peut-être oui, non, ne sais pas. En vrai, Alex, je trouve qu'il a... Le flash n'était pas nécessaire. Ah si, my bad, y avait Akali, j'ai rien dit. Le stun qui passe, vas-y Alex, bute là avant qu'elle te bute. Le kill qui est mis sur la Morgana malheureusement. Ah, le truc c'est qu'Olaf il fait ce qu'il veut contre leur team. Il n'y a pas de mobilité, la backline elle a pas d'escape. Ils ont pas de DPS, ouais, bah ouais. Allez bro, une backline Miss Fortune. Enfin, le trio Annie, Miss Fortune, Morgana contre Olaf. Mais il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Même Darius en soi. Darius, ça a pas d'escape. Il peut se maintenir à son corps à corps avec son ulti pour pas se prendre les Q. Il y a que Trindamer qui peut être vraiment chiant pour Olaf, théoriquement. Mais bon, vu que c'est un Trindamer jungle sans létal tempo. Bon. Je pense que ce Olaf va faire un peu ce qu'il veut cette game. Et c'est déjà le cas. Bah, il est à 12 kills. Là, il lâche une plaque du mort ou je ne sais trop quoi et vraiment, c'est le roi du monde. Trindamer, oh non, Trindamer, tu vas faire une lame du roi déchu. Les Trindamer Baello, les gars, ils ont une obsession pour la lame du roi déchu. Et quand je vous dis Baello, ça va jusque très loin. Parce que là, c'est un Trindamer bronze. Mais même jusqu'en plate, même jusqu'en lot diamant parfois, les Trindamer, ils continuent d'être obsédés par la lame du roi déchu. L'âme du roi déchu est un item de merde sur Trindamer, ça n'a pas sa place. S'il vous plaît, arrêtez de faire cet item sur Trindamer. Je ne le dirai jamais assez. Ok, Miss Fortune qui est finito, je pense. Boum! Et du coup, il a le passif. Là, Olaf qui est dans la merde. Mais ce Darius, ce serait vraiment bien qu'il fasse ses resets d'auto-attaque. Et le shutdown qui est mis sur Alex. Il récupère 700 gold, let's go. Trindamer qui meurt encore une fois. Bon, j'ai même pas envie de regarder ce qu'il a fait. Ce Trindamer est une disgrâce. Mais Alex arrive à se remettre bien dans la game. Il lui faudrait de la pénétration en pourcentage pour Gnar. Gnar et Olaf. Sinon, il pourra jamais les inquiéter. Sur quoi il part avec ça? Un voile de la nuit? C'est un voile de la nuit que tu fais avec ça? Ouais, je crois que la Yumus avec le marteau de Caulfield aussi. Oh, Darius qui pop off. Darius qui pop off, qui tue tout le monde. Il reste à côté de Caitlyn dans le doute où elle a encore son heal, mais peut-être qu'elle l'a claqué sur l'action. Je ne sais pas, je n'ai pas vu. Oui, 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 oui. Boum! Valentin qui on fire. Les resets du ghost. J'allais dire, il peut peut-être même tuer la Lux là avec les resets du ghost qu'il a eu, mais non. Oh non, c'est terrible. Ils ont better jungle avec. Avec l'âme Shemtek. L'âme Shemtek qui est de très loin la plus broken du jeu. Et du coup, l'équipe bleue va certainement l'obtenir. Hein. Je vois pas Trindamer être capable de contester un objectif face à Olaf niveau 14. Olaf qui a fait un coup près noir d'ailleurs. Alors, je trouve vraiment pas que c'est un mauvais item sur Olaf. Clairement pas. C'est même excellent. Mais là, je trouve que contre leur team, faire une plaque du mort aurait été bien mieux. Il a juste besoin d'être tanky, d'arriver vite à leur corps à corps. Il n'y a pas d'escape en face, il fait ce qu'il veut. Plus vite il arrive au cac de Miss Fortune, Annie et tout le bordel, plus vite il les massacre. Oh, le proc Gordrinker qui fait pas plaisir. Trindamer peut peut-être le finir.
Eh ben non! Eh ben non, et vous savez pourquoi? Parce qu'il a pas de putain de keystone! Il joue avec une. Avec électrocute! Il joue avec électrocute alors qu'il devrait jouer avec l'étal. Avec l'étal, il le tuait tous les jours. Mais bon, c'est pas grave, Valentin l'a fini. Valentin a fini ce Olaf. Et des ressources sur ce Darius seront bien plus efficaces que des ressources sur ce Trinda. Darius qui est parti sur une Thornmail. Kindle Gem, j'imagine que c'est pour faire un Spirit. Mais attention toutefois, Darius, il faudrait considérer un visage spirituel dans ton itemisation, là c'est important. Un Sterak dans ton itemisation, c'est très important sur ce personnage. Darius, c'est vraiment obligatoire d'avoir un Sterak, c'est un perso qui sort pas de la mêlée. Le bouclier te sauve la vie bien trop de fois. Et là, des bonus te rend vraiment menaçant. T'as de la tenacité aussi quand le bouclier est proc. Vraiment à prendre en compte sur un perso aussi immobile que Darius. Après, ça va, là, avec son Ghost et sa plaque du mort. Couplé à la Triforce, il est mobile, en vrai. Pour un Darius, il est bien mobile. Alors, il est quand, le prochain dragon? Je ne sais même pas où je peux voir ça. Est-ce qu'il y a un truc qui me l'indique là sur le menu spectateur? J'ai pas l'impression. On peut voir avec la barre là que ça va pop. Là il est combien? Boum, boum, ça va pop dans 10 minutes. Olaf qui se fait cash, qui prend un vilain poke. Annie qui est totalement hors de position. Mais Alex qui les défonce avec son ultime! Et oui, c'est pour ça que Miss Fortune c'est incroyable! Ah, le flash qui était waste, mais c'est l'excitation. Il venait de faire un double kill dans une game qui est vraiment tendue. Est-ce que ça partirait pas sur un Nashor là? Est-ce que ça partirait pas sur un Nashor? Il faut faire le Nashor, ça récupère une T de mid. Très très bien. Ça ping le Nash, non ça ping le Drake, mais il n'y a pas le Drake. Alors que le Nashor il est là. Il est là, bordel de merde. Ouais, ils en veulent pas de ce Nashor, ils veulent faire le Drake. D'accord, ils veulent faire le Drake. J'imagine qu'il va respawn dans peu de temps. Ça permet de deny la soul à l'équipe adverse. Ok, je peux comprendre. Mais ouais, d'accord, il a donc fait un collector. Mais ouais, vraiment, les ultis comme Miss Fortune en bronze, c'est incroyable. Ils vont pas chercher à l'esquiver, ils vont prendre des fights dans des couloirs. Quand ils vont commencer à être en DPS, genre là, le Olaf aurait pu l'éviter, il aurait pu faire un pas de côté. Il s'en est battu les couilles, il a fait une ligne droite vers la Miss Fortune en se disant « Tranquille, je vais l'attendre, je suis un Olafide, c'est qu'un AD carry. » Mais non. Mais ce call du Drake est incroyablement hasardeux, bordel de merde, ils ont eu le temps de repop. Ils ont eu le temps de faire le Nashor. Ils auraient le temps de faire le Nashor, de recall, et d'être en position pour contester le Nash avec les stats bonus du Drake. Mais là, fallait peut-être pas grab ce Olaf, ok ça va. Olaf qui s'est fait complètement dézinguer par l'ulti de Miss Fortune une fois de plus. Ok, la cage de Morgana qui va certainement carry. Je voyais Alex mort tous les jours là avec cette Akali qui sautait dans le tas. Mais en fait, non. Mais non. Mais c'est un malade. Oh, Alex n'a pas peur. Alex n'a pas le sens du danger. À quel moment il s'est dit qu'il allait back ici, bordel de merde? Il a back ici, en plein teamfight, alors que c'est une Miss Fortune avec 10 HP. Du coup, il est mort d'un proc de Luden. Il est mort du Luden de Lux. Oui, il est mort du Luden de Lux. Effectivement. Olaf qui part sur une Death Dance. Death Dance est excellent contre la team adverse. Très très bien. Très très bien, mais à sa place, tu dégages le coup près de Loire, il a pas trop de sens contre l'équipe adverse. En vrai, il n'y aura pas d'armure, il n'y a que Darius, mais bon, juste avec ses dégâts bruts, c'est bon, il l'a. Tu dégages le coup près noir, tu mets une plaque d'humour à la place. Comment ça s'appelle? Death Dance. Et il lui faut un pool de résistance magique quand même. Il y a Morgana et... Oh bordel. Il y a Morgana et Annie. Du coup, un Witsend ou bien un visage spirituel. Et là, son stuff était beaucoup mieux. Je trouve que là, son coup près noir est overkill dans son stuff. Et il se retrouve avec un manque de résistance. Et c'est pour ça qu'il se fait complètement dézinguer par la Miss Fortune de Alex. Il a pas assez de résistance. Il a que cet habit. Et les résistances bonus de son ultime, il les perd quand il est ultime. Alex qui a d'ailleurs sa pénétration armure en pourcentage. Il a le Last Whisper. Il va commencer à vraiment faire des trous là, dans Gnar et dans Olaf. Akali aussi qui a un Zonia, c'est à prendre en compte. 45 d'armure, ça fait mal. Ça fait mal sur un template létalité. Du coup, ce Last Whisper est vraiment très utile. Valentin qui bute Olaf pour la je ne sais combienième fois. Olaf qui a tendance à prendre un petit peu trop de play solo. Ok, décider de faire une engage sur Gnar Akali, c'est pas le meilleur truc. Attends, mais Valentin est en train de complètement péter un câble. Est-ce qu'il va se faire punir pour ça? Non, c'est la team adverse qui pète un câble. Akali qui grid qui meurt. Trindamer qui go in. Est-ce qu'il va ulti cette fois-ci?
Oui, mais ça ne servait absolument à rien. Et en plus, vu que là, il rien... Oh mon dieu. Oh, ce Trindamer. En vrai, oh, très sincèrement, les gars, Trindamer a cette réputation de champion de Baello, mais franchement, je trouve pas. Hein. Je dis pas ça pour défendre mon champion. Parce que certes, c'est un champion que j'aime bien et que je joue beaucoup et qui a cette réputation de champion pas trop aimé par la majorité de la communauté Baello parce que Niu Niu auto-attaque, d'être un champion raid qui fait rien d'autre. Mais franchement, les gars, en toute honnêteté, pour moi, Trindamer n'est pas un bon champion de Baello. Il n'y a pas d'ulti gamebreaker, il n'y a pas de CC facile à mettre en place. T'es très sensible au CC, il y a souvent beaucoup de CC. Le rôle de speed push est dur à mettre en place à Baello, c'est énormément de combats d'équipe et c'est pas là-dedans qu'il brille. Ok, la majorité du gameplay repose autour de l'auto-attaque, mais t'es censé bien te placer et jouer proprement autour de ça. Pas croire que c'est parce que c'est auto-attaque que c'est facile. Franchement, à mes yeux, Trindamer a pas cette... comment dire... Genre la réputation de champion de Baello qu'a Trindamer... Et pas mérité. C'est à mes yeux vraiment pas mérité. Pour moi, Trindamer, c'est un champion d'OTP, de gens qui commencent à comprendre un minimum le jeu. Pour moi, Trindamer, c'est un champion d'OTP au minimum plate. Très sincèrement. Très sincèrement. Et pour vous prouver que je suis de bonne foi, je vais prendre un autre champion que j'adore, qui lui, en revanche, mérite totalement, mais totalement, sa réputation de champion de Baello. C'est Garen. Garen, c'est extrêmement tanky avec rien. Tu peux faire 12 milliards d'erreurs de placement, tu seras pas puni. Ton ulti, il fait trop le taf. Ton silence, il fait trop le taf. T'excelles dans les combats d'équipe. Et surtout dans les petites escarmouches. Et là, il en pleut. La phase de lane est facile. Même si tu trades mal, même si tu ci, même si tu ça, t'as juste à attendre à ta tour de temps en temps et ton passif fera le travail. Non, vraiment, pour le coup, Garen, champion 10 sur 10 de Baello. Mais Trindamer, non, vraiment pas à mes yeux, vraiment pas. Mais bref, c'était la petite pause Trindamer qui, oh, vas-y, il y a tout acheté, hein. L'électrocute, la soif de sang, le fait qu'il soit jungle et que du coup il n'ait pas de flash, il y a trop à dire. Alors Annie, qu'est-ce qu'elle nous fait là? Elle nous fait un Horizon Focus. Alex, qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle nous fait un Serilda. Olaf qui fait que ça, bordel. Olaf qui était tellement feed, qui est contre une composition contre laquelle c'est trop, mais vraiment trop facile de jouer pour lui, et il fait rien à part se jeter tout seul et se suicider. Et là, c'est le deuxième dragon que récupère cette équipe rouge qui était vraiment dans la merde, et ils ont encore 30 secondes sur le jungle. Est-ce qu'ils vont faire le Nashor? À mes yeux, ils devraient faire le Nashor. Ce Olaf qui est en train de totalement donner la game. Et ce Gnar, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vraiment un non-facteur, hein. Il fait rien. Bon, mis à part être chiant parce qu'il est Gnar et parce qu'il est tanky. Oh, ça c'était gênant, putain, quelle gêne. Il fait rien. Nashor qui est récupéré. Deuxième dragon Shemtek qu'ils obtiennent. Nashor qui est obtenu. Ils sont en train de totalement comeback dans cette game. Là, il y a Alex qui a le Serilda. Ça va faire vraiment des ravages. Il va maintenir ses adversaires dans sa pluie de balles beaucoup plus facilement. Ça va être très très solide. Il va désinguer tout le monde sur un R. Alex, montre-nous. Montre-nous la recette. Montre-nous tes secrets. Montre-nous comment tu as quitté l'Iron grâce à ta Miss Fortune. Et petit point Caitlyn, les gars. Alors Caitlyn entame son quatrième item et elle n'a toujours pas de mythique. Je sais même pas si elle sait ce qu'est un item mythique. Franchement, je dis ça très sincèrement, je pense qu'elle ne sait pas. Je pense que c'est un mec qui lit absolument jamais les patchs, qui fait une game tous les je sais pas combien de temps, et il n'est même pas au courant pour les items mythiques. Genre il a regardé les items mythiques à des carrés, il s'est dit moi non, pas intéressé. Ça lui a pas parlé. Il est resté old school. Oh bordel, Alex, faut que tu fasses attention à ça. Et là, on a vu Alex qui a balancé la pluie de balles sur le Olaf. Olaf qui a maintenant Chain Vest. Donc il y a un pool d'armure bien plus important. Et vous avez vu ce qu'il a pris? Juste avec genre 2-3 tics de la...
de l'ultime d'Alex, il s'est fait exploser. Une nouvelle dague dentelée, sur quoi il va partir la Inumu. Un voile de la nuit. À voir. Oh, Olaf qui... Oh mon dieu. Ok. Ok. La bonne cage, le flash exo sur le Gnar, ça c'était un peu bizarre. Oh, il se fait annihiler. Ok, non, ça va, il survit, survit. Oh, Alex qui a perdu la vision, Alex qui le bute, Alex qui est invisible. La baffe qu'il a mis au Gnar. OMG. Alex est en train de pop-off. Il a désingué le Gnar, mais malheureusement, Akali, le cauchemar des Alekari, est en train de défoncer cette backline. Pendant que Trimda... Oui, peut-être. Oui. Oh, let's go. Oh, let's go. C'est grâce à la soif de sang, j'aurais jamais cru dire ça parce que c'est vraiment pas un item que je recommande sur Trimda. Mais c'est grâce à la soif de sang, bordel. Son vol de vie massif lui a permis de combattre jusqu'à la mort. Bon après, s'il avait encore une fois l'étal tempo et à la place de son électrocute, bon il n'aurait pas eu besoin de ce vol de vie puisque tout le monde serait mort avant qu'il soit dans cette situation délicate. Mais ça, il ne faut pas le dire, ça, il ne faut pas le dire. Il faut féliciter son itemisation de soif de sang Trindamer, bordel. C'est une blague, hein, ne faites jamais ça, c'est de la pure merde. Et Darius qui boycotte le Sterak. Bon, on va pas lui reprocher ça, il fait une excellente game. Et en vrai, vu son itemisation, je peux comprendre. En partant du principe qu'il soit en train de partir sur une Warmog. Parce que là, avec une Warmog, il va vraiment être durable. Sur les phases de split et tout. Il n'aura pas à back en permanence dès qu'il prend un trade ou quoi, tu vois. Parce que là, ça peut être le problème de son template. Et s'il sublime le tout avec une Warmog, il est fine. Mais bon, le souci, c'est que là, tant qu'il fait pas proc son passif, il fait pas très mal à ce stade du jeu, quand même. Il a que sa Triforce. Allez, les dégâts bonus de la plaque du mort, mais c'est léger. Ça va mettre une grosse auto au début et c'est tout. Là, tant qu'il a pas fait proc son passif, ce Darius, il est pas très menaçant. Ok, l'all-in de la Akali, l'ulti de Alex qui les a zonés, mais là ils sont dans une situation très délicate. Ils ont pas grand chose pour gérer cette Akali. Ok, Alex qui a réussi à la tuer. Est-ce qu'Alex va réussir à tuer Olaf? Oui, Olaf qui n'arrive pas à l'atteindre. Ok, j'ai rien dit, il se fait pulvériser par le Gnar. L'entrée de Trindamer. Trindamer qui n'a pas l'antil, je pense qu'il ne sera pas capable de finir. Ok, si ça va, le proc Kraken. Le proc Kraken qui a réussi à finir le Olaf. En plus de ça, il avait le dot de la Death Dance. Ça a dû aider aussi. C'est pas joué à grand chose. Trinda qui fait quoi? Un Z. Avec cette bève, j'ose espérer qu'il part sur une lame d'infini. C'est bien qu'il fasse un rappel mortel. Quoi? Oh, mais c'est le festival! Gnar a voulu TP top pour ne pas louper les creeps. Pour pas louper deux creeps. Alors qu'il était dans la jungle bleue adverse. Mais il a misclick sa téléportation. Et il a donc flash sur place avant de téléporter. C'est magnifique. Merci pour le contenu, Gnar, merci pour ça. Et Darius qui, comme prévu, a acheté une Warmog. On est vraiment sur un gros stuff de métagolem à l'ancienne, mais vraiment à l'ancienne, à l'ancienne, à l'ancienne. Là, ce que je vous dis, c'est à l'ancienne saison 2, à l'ancienne saison 3 et encore. Où tu faisais, sur tous les bruiseurs du jeu, Triforce full tank. Mais littéralement full tank. Juste une Triforce et t'achetais que des items tank. Bon, à l'époque, t'aimais bien glisser un Atma, quand même. La plaque du mort n'existait pas à cette époque. Genre, tu remplaces la plaque du mort par un Atma, et t'as le stuff du Metagolem saison 2, saison 3. Non, saison 3, je crois que c'était plus le cas. Saison 1, saison 2, en tout cas, c'est sûr. Oh! Miss Fortune qui a acheté un Kraken! Elle a compris pour les items mythiques. Elle va être si forte! Elle va être si forte d'un coup, là, avec son Kraken. Tous les items pour bien rentabiliser le Kraken. Et 3 items complétés, donc 30% d'attaque speed avec son Kraken. Là, elle vient d'acheter tellement, mais tellement de stats en un seul item. Alex qui a donc acheté sa Yumu. Alex qui est quoi? 12 kills, 15 assists. Il est presque sur un KDA de 3. Compte tenu de la difficulté de la game et de la gueule de la phase de lane, c'était très bien. Compliqué pour lui de jouer avec cette Akali. Akali qui applique un zoning de fou. Elle ne s'est même pas fait cash à cause de cette Banshee. Oui! Ah mais merde! J'étais là mais je comprends pas, ils meurent pas! Mais oui, c'est vrai que c'est des zombies, ils ont l'âme Chemtech! Ah bordel, ils ont l'âme Chemtech, les gars, ils ont la meilleure âme du jeu. Ils ont la meilleure âme du jeu, c'est impossible de gagner contre l'âme Chemtech sur cette pré-saison.
Bon, ça va mieux étant donné que ça a été hotfix. L'âme Chemtech a été très rapidement nerf. Mais ça reste beaucoup trop fort. Le principe est tellement fort. Oh putain. Oh, c'est peut-être une mort. Je pense que sur la cage, Lux ne balançait même pas son E, hein. Juste son ultime. Cage ultime, Alex était mort. Mais je me demande si la Lux était au courant qu'elle avait cage la Miss Fortune. Vraiment, les gars, aucune vanne, je me demande. Je pense très sincèrement qu'elle ne s'est même pas rendu compte qu'elle avait cage Alex. Alors, Alex qui part sur son dernier item létalité. Bon, je suis pas un grand connaisseur des items létalité, mais là, je crois qu'il reste plus que le voile de la nuit. Je crois qu'il reste plus que le Edge of the Night à faire sur cette Miss Fortune. Je vais boire un petit coup de jus. Je commence à avoir la gorge démolie. Trop de dinguerie à commenter dans cette partie. Merci Alex pour son contenu. J'en ai pour mon argent. Je n'ai absolument rien payé. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Alors, oh là, il a une Giant's Belt. Qu'est-ce qu'il fait avec une Giant's Belt sur Olaf? J'en ai pas la moindre idée. Il va pas faire une Warmog quand même. Et pourquoi il a toujours pas de plaque du mort contre la compo adverse? Parce que là, d'un point de vue mobilité, il commence à galérer quand même. Ils ont un inhibiteur pété, mais d'un point de vue push, franchement, c'est assez équilibré du côté des deux équipes. Akali qui réengage. Akali qui est une véritable plaie pour cette équipe, oh mon dieu! Cette Lux qui a pulvérisé ce Trinda avant même qu'il ait le temps d'activer son ultime. Attends, mais. Je rêve ou elle a ulti? Attends, attends, attends. Lux là. Elle avait pas utilisé l'ultime? Ah non, elle avait l'ultime en CD. Elle a tué Tryndamere avec quoi? Elle a tellement de stuff, bah elle est full stuff. Boum boum. Attends. C'est juste un E et un Liandry qui a buté le Trinda? Un Liandry et un Luden? Donc là, Trinda il prend un bon chunk de la part d'Akali. L'explosion du E de la Lux. Ouais, c'est ça. E Luden, le Trinda est mort. Cette Lux, elle fait tellement le taf. 12-6-21, bordel. Ok. Très bon flank de la part du Darius. Faut qu'il fasse proc son passif. Ah, et c'est ce que je vous avais dit. Ok, il est feed, ok, il est full stuff et tout, mais. Bah, il a qu'une Triforce, quoi. D'un point de vue dégâts, il fait pas très peur. Là, cette même action, tu remplaces la Warmog par un Sterak. Déjà, il meurt pas parce que le bouclier du Sterak, même si la Warmog lui donne plus d'HP, bah avec le bouclier du Sterak, c'est beaucoup plus intéressant sur l'action. Et avec la débonus du Sterak, il bute le Olaf, mais tous les jours. Oui. Ouais, pour moi, cette Warmog, non, cette Warmog, c'est une erreur. Même si j'en ai dit un peu du bien tout à l'heure, ah, Sterak, ça reste mieux. Et Darius sans Sterak, c'est triste. C'est vraiment très triste. Ça fait partie de ces personnages, t'as pas le droit de pas faire un Sterak. Déjà, Sterak de base, c'est OP sur les mêlées, de manière générale. Ça trouvera sa place sur quasiment tous les mêlées. Mais, ce sera surtout ultra fort sur ces Juggernauts qui vont littéralement jamais quitter la mêlée. Darius. Darius, c'est une très bonne représentation de ça. Et Miss Fortune, Alex, qui continue de pulvériser tout le monde avec son ultime. Bah écoute, je comprends comment il a fait de Iron à Bronze. Là, je comprends en regardant cette game. Bon, même si cette game est extrêmement tendue et qu'il va finir par la perdre, je comprends en fait. Il pulvérise ses adversaires à l'ultime, tout simplement. Ses adversaires sont trop bas élo pour comprendre comment jouer contre une Miss Fortune. Ils se font pulvériser à chaque fois. Littéralement, chacune de ses ultimes a été dévastatrice. Chacune de ses ultimes a complètement annihilé quelqu'un. Et là, je suis en train de me rendre compte que MF, c'est vraiment bien un bas élo parce que un AD carry crit comme Miss Fortune. Caitlyn, c'est pas la meilleure représentation parce que t'as vraiment une énorme range. Mais un AD carry crit DPS. Tu vas devoir te placer, balancer plein d'autos, DPS, te replacer entre tes autos. Tu vois, c'est compliqué à jouer quand même. Alors que Miss Fortune, juste tu lâches une auto-attaque avec ton stuff létalité, boum! T'as mis quelqu'un mid-life s'il n'est pas très tanky. Et si tu mets auto-attaque Q,
tu l'as mis vraiment très low et tu l'as peut-être même tué, dépendant des cibles. Et t'as potentiellement pas la moindre auto-attaque à mettre dans un fight pour carry le fight, parce que juste ton ulti suffit. Donc ouais, MF... MF dans les top à des carry du Baello, ça, y a pas de doute. Ça, c'est vraiment pas quelque chose que je découvre sur cette game. Ça c'est vrai depuis toujours, c'est vieux comme le monde. Ok, ça engage sur le Gnar, mais ce Gnar est vraiment très tanky. Ah, c'est compliqué pour cette équipe. En fait, il y a trop de menaces. Mais regardez ça! Mais regardez ça, bordel! Il est là! Il est là, le bronze d'Alex! Et attention, quand je dis le bronze d'Alex, c'est pas ce gros bronze de merde d'Alex. C'est pas le bronze d'Alex. Ce bronze d'Alex, il est là. Non, 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 non. Je veux dire, le bronze d'Alex, c'est... Comment dire? Excusez-moi. Je fatigue un peu après toutes ces émotions, mais le bronze d'Alex, c'est comme si je disais... le diamant d'Alex. Ce que je veux dire, c'est l'élo qu'il a obtenu. Genre, le bronze 4 qu'Alex a obtenu, il est là. Il est là. Il est ici. Avec Miss Fortune. Ulti dans un couloir. Triple kill. Boum. Il est ici, son bronze. Il est ici, son elo. C'est comme ça qu'il a procédé. Oh, je m'attendais à bien plus de dégâts. Je suis extrêmement déçu. Attends, mais cette Annie est en train de compléter son quatrième item, c'est tout? C'est décevant. Attends, mais c'est pareil pour Akali. L'aile de merde, les midliners sont tellement en retard. Ah, Trinda qui meurt une fois de plus sans utiliser son ulti. Si on commence à compter toutes les fois où Trinda est mort sans utiliser son ulti, cette game, on n'a pas fini. Aïe, 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 elle perd son stun dans le vent, du coup, Akali peut faire ce qu'elle veut. La cage? Peut-être la flaque? La flaque est arrivée trop tard, mais Alex la punit. Attention. Ok, elle en profite pour push un petit peu. Et Alex qui achète donc le voile de la nuit comme prévu. Voile de la nuit, il est sous Red Pot. Est-ce qu'il est sous Red Pot? Il est sous Red Pot, il ne peut littéralement pas être plus fort. Full item, pas de bot, Red Pot. Impossible pour lui d'être plus fort. Enfin si, obtenir l'un des bonus du Nashor. C'est le seul moyen. Et des procs de transcendance, s'il en a. Non, c'est pas transcendance, c'est Gathering Storm. Tempête menaçante en français. Mais... Et je suis content parce que cette game vraiment nous montre bien comment... Comment Alex, et qui est la légende, s'est sorti du bronze. Et Alex, tu regarderas cette vidéo, je le sais. Ce que j'ai à te dire, c'est continue. Continue, te laisse pas abattre quand t'as des mauvaises games comme ça. Je te garantis que tu vas monter avec tes Miss Fortune. Ulti les gens dans les couloirs. Fais les triple kills sur un bouton. Et t'as peut-être moyen de gratter un Silver 4. No troll. Parce que là, attends, faut que je re... Petite pause. Faut que je regarde le screen. Tac, tac. Actuellement, les bronze 4, 25 click points. Ah, je pense qu'il peut climb le bronze, hein, vraiment. Je pense qu'il peut climb le bronze avec sa Miss Fortune. Parce que de Iron Win Rate négatif 30%, qui était genre Iron 2, Iron 3, à Bronze 4, il n'y a pas eu énormément de games de Miss Fortune. Il a lâché quelque chose comme 20-30 games de Miss Fortune et c'était bon. S'il se met à spam, boum. Après, là, c'est vrai que ça n'a plus trop l'intérêt. C'est vrai qu'on est en fin de pré-saison. Alex, la saison 12, c'est ta saison. C'est la saison dans laquelle tu passes Silver. Peut-être même Gold. Peut-être que tu vas avoir un déclic. Et Trindamer, bon, je ne l'ai pas relevé une fois de plus, mais Trindamer a entamé sa je ne sais combientième mort sans ultime. Annie aurait dû bloquer le projectile de Caitlyn pour protéger Alex, parce qu'avec l'Elder Drake, bah, vu qu'il passait en dessous d'un certain seuil d'HP, il allait se faire exécute, qu'il soit dans la fontaine ou non. Bon. Combien de temps de record? 1h04? Non, 1h04, ça va en vrai. Quand j'avais fait la review du Trindamer, je crois que ça avait duré quelque chose comme 1h15. Je crois que ça avait duré 1h15 à peu près. Laissez-moi retourner voir. Review Trindamer Gold 1. Ouais, 1h16 et 22 secondes. Ah bah au final, ça aura pas pris tant de temps que ça.
En fait, c'est parce que je suis pas revenu en boucle sur les actions pour expliquer, parce que je vous ai dit, c'était pas le but de la vidéo. C'était un tel festival. On était là pour voir les légendes. Les légendes du Bronze Iron win rate négatif, plus que Alex nous dévoile ses secrets. Les secrets de son climb. Qu'est-ce que je vais voir? Est-ce que j'ai respecté mes paroles? Parce que j'avais dit que c'est histoire de review. Bon, là, c'est un peu une review qui compte pas comme une vraie review parce que c'est pas didactique comme les deux autres. Là, c'est plus une vidéo. Je sais pas, c'est une vidéo à thème, je sais pas comment dire. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y aura encore 3 vidéos avant la publication de celle-ci. Donc 14, 14 jours, 2 semaines tout pile. C'est exactement ce que j'avais annoncé comme rythme maximum pour ces vidéos review. Donc j'ai tenu parole. Je suis un très très bon garçon. Au jour près, j'ai tenu parole. Alors, est-ce que Alex est top dégâts? Oui, Alex est top dégâts de très loin. Il met quasiment 23K dégâts à son midlaner. Bon, le Trindan, n'en parlons pas, c'est une disgrâce. Il met 22K dégâts à son top laner. La Lux a clairement carry la game. Hein. Putain, elle est quasiment à 90K dégâts. Elle était full stuff très tôt dans la partie. Elle faisait trop le taf. Elle zonait tout le monde. Lux aussi, hein. Lux aussi fort, fort à tous les élos en vrai. Ces persos one-shot qui sont forts dans les couloirs, dans les situations où les gens s'empilent. En fait, les persos qui excellent dans les situations où tes ennemis sont censés se split pour te counter, bah c'est trop 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 bien en fait. C'est trop trop bien. Parce qu'ils se split pas en bas élo. Après, bas élo, ça peut englober des tonnes de gens. Pour certaines personnes, le bas élo, c'est le diamant. Pour d'autres, c'est le master. Pour d'autres, c'est même le grand master. Pour d'autres, c'est que le silver ou en dessous. Ou le... Bref. Là, on parle de bronze, win rate négatif. Combien de MMR déjà? 506 de MMR, les gars. 506 de MMR en classé solo. On est vraiment sur du low. Du très très low. Il y a du plus low que ça. Mais on est vraiment sur du mégalo là quand même. Mais justement, dans ce mégalo, jouer des personnages qui demandent aux adversaires de se split, et bien vu qu'ils vont littéralement jamais se split, c'est incroyable, ça marche trop bien. Là, ça s'est vu. C'était qui les deux carry de l'équipe? Enfin, des deux équipes respectives. C'était Lux du côté de l'équipe rouge. Un champion qui excelle comme pas possible dans les couloirs. Et Miss Fortune, Alex la légende, du côté de l'équipe bleue. Et encore une fois, un champion qui excelle comme pas possible dans les couloirs. C'est trop bien, ils vont se paquer de courir dessus en ligne droite. Tu fais ce que tu veux. Que ce soit Lux ou Miss Fortune, dès qu'il lâchait des R, il tuait des gens. Et ben voilà les gars, tiens, on pourrait faire un petit point rune aussi, Alex, qu'est-ce qu'il prend? Taste of Blood, Dark Harvest, Eyeball Collection, Ravenous. Ah, je sais pas. Presence of Mind, coup de grâce. Ça m'a pas l'air mauvais. Je vais aller voir une game de Chape. Je sais pas s'il continue de la spammer, MF, mais pour le coup, il la maîtrise bien. Cractus, le piquant. Alors, est-ce qu'il y a une Miss Fortune dans l'historique de Cractus, le piquant? Ça devrait se trouver. Il affectionne beaucoup ce champion. Ok, j'en ai une là. Alors, Chap, il joue avec First Strike. Il fait la Yumu bien plus tôt dans la partie. Bon, ça me paraît logique aussi. Je trouve qu'il l'a fait beaucoup trop tard, la Yumu, Alex. Et les gars, n'oubliez pas que la mobilité, c'est la stat la plus puissante du jeu. Vraiment, faut pas cracher là-dessus. Ouais, mais du coup, vu qu'il joue avec First Strike, c'est pas du tout la même page. Alors, First Strike, les bots gratuites, les cookies, Approach Velocity. Ah ouais, c'est pas con! Parce que tu balances la pluie de balles sur le mec, c'est quasiment inesquivable. Du coup, t'avances vers lui beaucoup plus vite. Tu peux lui faire ton auto-Q ou juste ton Q. Et ça fait le taf. Et en sorcellerie, il prend ruban de mana et tempête menaçante. Ok, ça a du sens. Bah tiens, je te les mets. Et qu'est-ce qu'il a rush? Il a rush. Il a fait Yumu avant de faire sa Draktar. Bah je trouve aussi que ça a beaucoup plus de sens que de faire Draktar first. Tiens, je vais faire un petit screen. Alex, vu que tu vas regarder cette vidéo,
Voilà ce que fait Chape sur Miss Fortune. Et franchement, Chape sur Miss Fortune, il sait de quoi il parle. Peut-être qu'il est encore en train de tester vu que c'est la pré-saison. Mais je pense que tu peux copier ce qu'il fait et que tu auras plus de réussite que ce que tu fais actuellement. Voilà ce qu'il fait. Voilà ce qu'il fait. Après, on pourrait remonter l'histo aussi. Là, qu'est-ce qu'il a fait? Là, cette game-ci, il a joué Dark Harvest. Ok. Et sur une game sur laquelle il a joué Dark Harvest, qu'est-ce qu'il a fait dans la branche domination? Je vais te dire ça à l'oral. Alors, pour ce qui est de sorcellerie, il a pris concentration absolue et tempête menaçante au lieu de ruban de mana cette fois-ci. Donc, et dans la branche domination, il a fait pareil que toi, ouais. What the fuck? J'ai pas copié Alex. Donc, il a fait la moisson noire, goût du sang, arracheur d'œil et chasseur vorace. Ouais, c'est ça. Putain, ça me fait bizarre les termes en français. Tellement l'habitude de jouer à LoL en version anglaise. Et ben voilà, les gars, vous l'avez demandé, vous l'avez eu, la review d'Alex, le secret de sa Miss Fortune, le secret de son passage de Iron à Bronze, vous savez tout. Merci à lui de m'avoir laissé commenter une de ses parties, et merci à lui d'avoir fait cette partie tout simplement, parce qu'il a fait cette partie pour le record. Merci à lui. Il y avait des gens aussi, j'avais vu. Mais bon, ça, je trouvais que ça faisait un peu beaucoup, et vu que j'aime bien beaucoup parler, quand c'est comme ça, on s'en serait pas vraiment sorti sur le vocal. Mais qui voulait que je vocale avec Alex? Qui voulait que je fasse une review d'une game d'Alex en vocal avec lui? Franchement, c'est vrai que ça aurait pu être marrant. Pour avoir vocal avec lui, ça va en plus. Il est plutôt YouTube friendly, il dit jamais de dinguerie. Enfin, pas avec moi en tout cas. Et il a des réactions qui peuvent être marrantes. Après, faut voir si un jour il y a ce concept de je review une game d'Alex en étant avec lui en vocal, est-ce qu'on se base sur un replay qui date et on le regarde à deux ensemble, ou est-ce que je regarde sa game en même temps qu'il est en train de la jouer en étant en vocal avec lui? Le souci, c'est que j'aurai 3 minutes de décalage. Oh, je viens d'avoir une idée banger, les gars. Review d'une game d'Alex en vocal Discord avec lui, et du coup il me stream sa POV et je commente en direct en parlant avec lui. Plus j'aurai ses réactions directement. Oh, ça peut être incroyable. À voir s'il est d'accord. Je pense que ça le ferait délirer honnêtement. Mais si je fais ça, c'est pas pour tout de suite les gars. Faut pas abuser. Faut pas abuser de la poule aux œufs d'or. Si je fais ça, c'est genre dans, je sais pas, 2 semaines, 1 mois, j'en sais rien. Mais peut-être que ça se fera. Si c'est un projet rocambolesque qui vous plaît, n'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. À m'en faire part dans les commentaires plutôt. Ouais. Ouais, vous avez compris. Gros bisous les regardeurs. Merci d'avoir regardé ceci. J'espère que ça vous a bien diverti. Et gros respect à Alex.